ist und Retour. Ich will Bass haben für meine Musik. Parce que. Apparemment, j'ai sous-estimé le speaker dans la dernière vidéo, puis ma voix. Ma voix sortait pas assez fort versus le son de la musique. Ah non, même pas, c'est même pas les démons le premier coup. Il fait juste libérer parce qu'ils sont assiégés par. Je pense un envahisseur ou quelque chose, c'est pas clair là. Place point, puis là il fait exprès pour que les rumeurs. Parce que tu sais, il se cache pas là. Il dit je suis la même personne que j'étais il y a genre X temps quand j'étais en vie. Puis fait que tu sais, les nobles, tu sais, je veux dire, le roi qui l'a fait torturer, puis tout lui il sait là que genre c'est pas normal qu'il marche, puis qu'il soit en forme, puis qu'il soit debout, puis qu'il soit whatever. Fait que, il capote dans ses shirts. Puis c'est le royaume voisin, je pense, qu'il va chercher en premier. Il libère le royaume voisin, pis là, il demande genre aucun paiement. Il est genre, non, je l'ai fait pour le bien du peuple, pis pop. Pis là, il se fait refaire une armure de faucon, full shiny as fuck, là. Pis là, il fait son. Il tripe Jésus intense, pis il se promène. D'une place à l'autre, sauf que là, genre, ses troupes, il y a des bonhommes carnivores dedans, il y a des trucs vraiment louches. Fait que c'est weird, pis je m'en rappelle aussi. En tout cas, il y a des humains normaux qui le suivent aussi un peu partout. Sauf que ce qui est drôle, c'est qu'ils s'en retournent voir le royaume où est-ce qu'il avait été torturé, pis finalement, juste avant qu'il arrive, comme de fait, ils sont en train de perdre des démons, ce qui est arrangé avec le body. Parce que c'est lui qui c'est lui qui décide ça, t'sais, fait que ça. Puis là, il se fait passer pour le grand libérateur. Puis là, ben, évidemment, il tue le roi Creep en même temps, je crois. Puis je pense qu'il se marie avec la princesse qui avait fourré à l'époque, puis que ça y avait coûté toute question de je sais plus trop. Et je pense qu'il le fait. Je me rappelle plus exactement de l'histoire, mais je sais que. Oh, regarde, c'est. Puis tu sais, la populace ordinaire qui est pas au courant de rien, les autres sont comme ah ouais, lui, il est cool, c'est Jésus, puis il va nous sauver, puis il va nous mener vers un âge meilleur, et de paix, de gloire, et de richesse, etc. Tu sais, parce que c'est ça. Puis c'est quasiment au stade où est-ce que les gens sont rendus qu'ils ont tellement peur des démons, puis de Satan. Qu'est-ce que tu voudras qu'il se pitch à bras ouverts, là, pis c'est ça. Fait qu'il fait pas mal de monde après avoir arrêté. Mais ouais, l'auteur est vraiment excellent à ce niveau-là. Une œuvre intéressante à visiter si vous connaissez pas. Puis à revisiter maintenant, peut-être, si je la connaissais déjà. Ma propre voix. Fait qu'en principe, tout ça, c'est supposé être découpé.
Ouais, par moment, c'est pas évident de discerner qu'est-ce qui est à ce plan de vue-ci, à ce plan de perspective-là. Puis qu'est-ce qui fait partie de l'écran, mais qui est juste vraiment flou. Ouais, ça arrive souvent, ça. De l'artiste d'avant. C'est juste pas clair niveau perspective. Parce que on a ça ici, c'est encore une flèche. Une flèche qui est franchement. Ouais, on va la prendre pareil. Je l'ai dit peut-être d'un genre mettre un petit peu trop bon. Mais on va la prendre pareil. On va la prendre pareil. Ce que je remarque là, c'est qu'on a deux types de flèches, by the way. Puis ça, c'est une image de World of Warcraft, fait que on a clairement des flèches Horde et des flèches Alliance. Ça ressemble à des flèches de d'Orc et des flèches de Elf de la nuit. Celle qu'on a là, c'est une flèche d'Orc. Parce que la tige ici était plus grosse. Finement crafté, plus basique. Tandis que l'autre des tantôt, on était qui était comme gravé quasiment artistiquement taillé au niveau de la pointe, le problème petit. Yep.
atteint le rebord.